aux otages, nous allons lire des poèmes. Poèmes tirés d'un recueil « Ramenez-les à la maison » rédigé par Pierre Hesch-Hardour, poète du sud de la France, et aussi un poème rédigé par une poétesse israélienne, Les Heures, qui raconte les derniers moments, l'attente des assiégés pendant les massacres du 7 octobre. Beaux comme des soleils, vous n'avez nulle part où respirer le printemps. Sans trêve de vous réclamer au plus proche de nous-mêmes, vous reviendrez la gorge dénouée, teintée d'un voix d'ombre cendrée, dans l'hymne libre de l'espoir, s'enivreront vos yeux de joie. Danse dans la mémoire vide et têtez les troncs d'enfantines rondes. Burine la vision des naissances, outragée les utérus, brûlant d'enfanter. La dernière innocence jaillit en l'enragé néant vers la désespérance et le mutisme des oiseaux. Aux gardiens de l'enfer, aux monstres tueurs de vie, tout continuera, même apprendre à vivre aux victimes. Jusqu'à l'ultime espérance s'élève l'étoile d'inclémence pour qu'à l'ombre des ombres, renaissent en chaque arbre précieux les mots d'amour. Et sans qu'on leur explique comment, comme s'ils savaient depuis des générations, depuis leur naissance, se sont serrés dans l'armoire et ont retenu leur souffle et ont attendu. Et personne n'est venu. Et entre leurs doigts, comme un chapelet de prières, on murmurait la promesse jusqu'à ce qu'elle devienne cendre apathique qui brûlait leur gorge. Et personne n'est venu. Et on laissait tomber, un à un, leurs trésors innocents, comme quelqu'un qui jette la charge hors d'une barque. Et on sombrait dans un deuil d'orphelin épais et résolu. Et personne n'est venu. Et pour un instant, se sont demandés si c'était eux les coupables. Ils ont échoué à résoudre la terrible énigme, mais savaient très bientôt seront recueillis par des bras consolants. Et personne n'est venu. Et les mains ensanglantées, ils ont caressé les enfants, quand les murs avaient fondu autour d'eux jusqu'au dernier, et une fissure est apparue de la mer à la mer, et tous les anges avaient quitté le monde, et était tombée l'obscurité, plus noire que toute obscurité. Et s'est écoulé une heure, et encore 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 une heure, et personne n'est venu. Merci.